C'est bien. C'est 50. Bon. Bonjour. C'est-tu comme... Salut Thomas. Hey, on est dans le backstore. On est dans le backstore de Lux, ok? T'es notre nouvel employé. Bon ben, plus nouvel employé. Ancien employé. On a déjà un renvoi. Fait que lead programmer pour Lux, pour le projet Lux, et beaucoup de choses, concepteur sonore, compositeur, j'ai fait des affiches, j'ai fait des interfaces pour le projet de Lux, Alexandre Bouillard, allô. Moi je m'appelle David Serpassino, je suis un designer et un modélisateur 3D de l'équipe. Moi c'est William Laplante, j'étais le principal modélisateur 3D de l'équipe. J'ai été celui qui a fait toute la maquette du musée, ainsi que la conception de certains objets. J'ai fait la majorité des objets 3D aussi. J'ai également contribué à designer les multiples interfaces du projet. Le début, j'ai quand même trouvé ça vraiment fun d'avoir un gros brainstorming puis aller commencer les idées de chacun pour avoir un idée de projet vraiment fun. J'aime beaucoup la communication dans une équipe et c'était vraiment, je pense, ma partie qui était le plus importante. On est au local Mobius puis qu'on a décidé, ok, voici le plan, toutes nos idées. On n'est pas tout du monde, qu'on se connaît tous ensemble, mais voici toutes nos idées. On va toutes parler ensemble, discuter et trouver vraiment un arrangement sur qu'est-ce qu'on veut faire. Une des clés importantes qu'on a dans ce projet, c'était vraiment la communication. On voulait faire en sorte que les joueurs puissent aller à communiquer ensemble pour arriver à leur objectif. On a passé pas mal de temps à essayer de trouver le plan pour réaliser ça. Puis on s'est dit que quelqu'un qui est dans VR peut voir ce qui se passe dans le jeu, mais peut-être pas nécessairement tout le monde. On s'est dit qu'on mettrait un joueur à l'extérieur du jeu et un à l'intérieur, on arriverait à ce résultat-là de communication. C'est là qu'est venue l'idée d'avoir un joueur dans VR puis un joueur à l'extérieur. Ben, moi, mon but premier, sincèrement, ça a été de faire comme quelque chose qui dépasse juste de faire les sites web, je voulais vraiment faire un jeu vidéo. Avoir comme tâche de faire un jeu comme ça, puis mettre mes compétences dedans pour en faire un gros jeu, un gros projet, c'était vraiment fun. Fait que je voulais vraiment donner à 100% que ce soit un bon succès. C'était vraiment mon but de faire quelque chose de différent, mais vraiment faire le moins pour ça. Puis je voulais vraiment aussi embarquer dans Unity, quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Ben moi, mon but, c'était d'améliorer mes skills dans tout ce que je pouvais toucher au sein du projet. J'ai augmenté mes skills dans la 3D, faire la conception de background en 3D. Moi, mon gros but, c'était vraiment de donner une expérience qui était nouvelle au niveau de l'interaction entre les joueurs, cet aspect-là, justement, à l'extérieur, intérieur du jeu, de rivalité, mais aussi quelque chose de collaboratif à 4 joueurs. Une expérience qui allait un petit peu plus loin au niveau théâtral aussi. On avait des costumes. C'était pas mal mon but d'amener cette vision-là qu'on avait au plus loin qu'on pouvait se permettre. Personnellement, pour le design, j'ai utilisé Kinemas, j'ai utilisé Photoshop, Illustrator. Pour faire les objets 3D, j'ai utilisé Blender en grand majorité. Unity, Microsoft Studio, c'est en fait, ils jouent de pair les deux ensemble. J'ai uniquement utilisé Blender pour tout ce qui est de la composition 3D. Et pour les modèles Creative Commons qu'on peut ajouter, je vais aller dépendre du sketchfab. J'ai composé une des chansons dans le jeu. C'est la chanson qu'on va jouer en ce moment en background du Making Up. J'ai utilisé Sibelius, qui est un logiciel de composition musicale, des samples de Kontakt. Sinon, pour le montage vidéo, j'ai utilisé After Effects. Pour les affiches et pour les interfaces, j'ai utilisé Figma. La vidéo d'introduction au projet, c'était Cab à souhait et mémorable. Mais d'avoir réussi à avoir livré un livrable sur un logiciel que j'avais pas utilisé auparavant, Unity, sincèrement, un accomplissement personnel. Beaucoup de moments, surtout les moments où on faisait des tests et qu'on voyait où nos efforts avaient mené. Juste prendre le moment de voir puis d'interagir avec ce que tout le monde avait réalisé, c'était vraiment quelque chose de fun et vraiment très gratifiant. D'autres petits moments. Dans le sens, on trouvait ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et les résultats, c'est un petit peu vraiment cool et le fun à voir. Les
20 premières minutes de Chaos Media. Les gens ont commencé à rentrer, le projet allait bien. Pour vrai, j'ai eu du bon feedback. Les gens qui étaient quand même très contents étaient comme « Wow, OK, c'est le fun! » Puis, actually, du monde qui a eu du plaisir. La vidéo marchait, le jeu marchait. On avait nos petits goodies qu'on donnait. Les gens aimaient bien ça. Il y a eu quelques crashs au courant de la soirée. Mais au moins, rien d'assez majeur pour que les gens puissent pas expérimenter l'expérience. On est sorti quand même avec 7e place, top 10. On a eu assez de bons feedbacks, donc au moins 14 personnes considèrent que notre expérience était leur préférée de Chaos Media. Moi, je vois ça comme une victoire. Personnellement, je referais définitivement l'expérience Chaos Media. C'était vraiment fun, seulement avec un peu plus de préparation pour le setup en tant que tel. C'est bon, bon. Merci beaucoup pour votre temps, puis merci à tout le monde qui était là pour votre collaboration. Merci tout le monde! Yeah!